Madame, monsieur, bonjour. Monsieur Erkik, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, l'ADE, c'est l'entreprise chargée de la distribution de l'eau. Pour être précis, elle produit et distribue quelque 5,5 millions de mètres cubes d'eau par jour pour alimenter plus de 28 millions d'habitants en eau potable. Ceci pour présenter l'ADE. L'ADE, aujourd'hui, elle est en charge donc de distribuer l'eau dans tout le territoire national pour les wilayas qui ont eu ou qui ont enregistré ces derniers jours des inondations. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'alimentation en eau potable est totalement rétablie, monsieur Rekik? Merci, je vous remercie pour cette invitation. J'aimerais bien d'abord présenter l'ADE. Donc, effectivement, c'est une entreprise publique chargée du service public de l'eau à l'échelle nationale. On intervient sur 54 wilayas et à travers nos filiales, qui est la CEAL qui intervient au niveau de Tipaza Alger et la CEOR qui intervient au niveau de Oran et SIACO qui intervient au niveau de Constantine. Effectivement, en matière de production, donc on produit 9,3 millions de mètres cubes par jour, qui représente 3,4 milliards de mètres cubes par an. En matière de répartition par rapport on représente cette production, donc elle représente 56% des eaux souterraines et 24% des eaux de surface et 20% des eaux dessalées. En matière des inondations qui ont reçu dernièrement, donc on peut dire que j'ai été à deux reprises à Béchar. Effectivement, et ce qu'on peut noter à Béchar, que le barrage de Djerftorba, qui était sec l'année dernière, cette année, il a reçu en 24 heures 240 millions de mètres cubes. Et actuellement, il est plein. Il y a eu même des débordements pendant quelques jours. Et il a reçu pratiquement un apport de plus de 1 milliard de mètres cubes. Ça n'a jamais été le Inédit. cas à Béchar. En matière d'alimentation en eau potable de Béchar, donc ils sont alimentés à partir du barrage et ils sont alimentés aussi à partir d'un transfert sur 200 km qu'on appelle Boussir 1. Donc effectivement, les inondations ils ont endommagé les deux transferts. Donc il a fallu intervenir sur ces deux transferts et on a mobilisé tous les moyens humains et matériels et on a mobilisé des autres wilayas au niveau de Béchar. Plusieurs équipes, plusieurs matériels, on a travaillé pendant plus d'une semaine et les choses sont rétablies. Et notre ministre, dernièrement, avec la visite, nous a instruits à l'effet que, maintenant, alhamdoulilah, il y a l'eau qui arrive. Il faudrait que cette population ressent Une que amélioration. l'amélioration, le khir hadal ija. Et d'ailleurs, la décision, l'instruction qui a été donnée par notre premier ministre, c'est de donner quotidiennement à la ville de Béchar. Et Très toute bien, la donc. wilaya, Inch'Allah, et l'ADE, donc, elle est en train de prendre les décisions et prendre des dispositions nécessaires pour alimenter la ville de Béchar d'une manière quotidiennement. Très bien, ça c'est pour la wilaya de Béchar, pour les autres Pour les wilayas qui wilayas ont aussi, la même enregistré des chose. inondations. On a aussi un Hama aussi, il y a eu des petites perturbations. Donc on a intervenu, les choses sont revenues à normal. Très bien. Alors ça, c'est pour les wilayas qui ont reçu beaucoup d'eau. Cet été, on a vu qu'il y a eu des wilayas qui, justement, enregistraient un important stress hydrique, une sécheresse, pratiquement. C'est le cas de Tiaret. Elle a fait l'actualité, cet été. La wilaya a enregistré d'importantes coupures d'eau, ce qui a poussé des citoyens à protester. Elle a même fini par provoquer un conseil des ministres et l'annonce de mesures d'urgence. Alors aujourd'hui, où en est l'application de ces mesures décidées au profit de la wilaya? De Tiaret, monsieur Rekik. Très bien, je vous remercie pour cette question. Donc effectivement, pour Tiaret, il y avait 5 communes qui étaient touchées par le stress hydrique en été 20, 2024, causé par la baisse drastique du niveau du barrage Bekhadda. Donc suite à ça, des instructions ont été données, premièrement par notre ministre, donc il a pratiquement nous a réquisitionné tous les directeurs généraux des entreprises sous la tutelle de se déplacer sur le site et de rester jusqu'à que la Rétabli. situation, rétablissement de la situation. Donc, pour dire, notre intervention s'est étalée sur plusieurs phases. La première phase, c'était mobiliser les camions citernes. On peut dire à travers votre radio, donc on remercie tout le monde qui ont participé à cette mobilisation. Et sincèrement, c'est-à-dire celui qui a vécu cette période-là, pratiquement, ça a démontré encore une fois que le peuple algérien, y compris les autorités,
Donc, dans des moments pareils, on avait une solidarité exemplaire. Sincèrement, c'est tout le monde qui a été mobilisé et ça a donné des résultats. Donc, comment on avait intervenu? La première étape, c'était de mobiliser les camions-citernes. Il y a eu même ceux de toutes les wilayas, y compris sur la Traque. Donc, on avait mobilisé les camions-citernes pour faire face. La deuxième phase, c'était lutter contre les forages illicites. Donc, il y avait des forages illicites qu'on a récupérés, qu'on a raccordés aussi sur le réseau d'eau potable. On a récupéré aussi des forages agricoles, que je remercie encore une fois au niveau aujourd'hui, les agriculteurs qui ont participé à Cet cet effort. effort. Ils ont même, qui m'a dit, donc il a préféré donner le forage et la consommation de l'énergie à sa charge, juste pour alimenter cette population. Donc c'était la deuxième étape. On peut dire avec tout ça, avec mobilisation de ces forages, on était arrivé à mobiliser plus de 10 000 mètres cubes jour. Avec les forages existants, donc on avait une quantité d'eau qu'on devrait faire une répartition équitable. Et pour arriver à cette répartition équitable, donc on était obligé de procéder à la sectorisation du réseau. Donc il y a eu des ingénieurs de l'ADE qui se sont déplacés sur site avec des talonneurs. Donc on a pratiquement, il y avait 9 secteurs, on est arrivé même à créer un dixième avec l'installation des vannes. Et là, on a pu plus ou moins maîtriser cette répartition équitable de cette ressource. Troisième chose, c'était réaliser le transfert chez Tchergui, et ça sur instruction de M. le Président de la République, de terminer ce transfert sur 47 km qui causait un retard, de le terminer avant l'Aïd. Disons que le défi a été accepté et notre ministre a mobilisé toutes les entreprises du secteur qui ont intervenu sur place et je remercie ce COSIDER, le groupe JIRID, l'ONID, l'ONA, la MBT, tous les gens qui ont intervenu sur ce transfert. On a mobilisé beaucoup de personnes, beaucoup d'équipes. On a travaillé jour et nuit et effectivement, on a pu terminer ce transfert avec 10 000 mètres cubes le premier jour avant l'Aïd. Donc, avec ces apports, tout ça, donc on a pu mobiliser, disons, la ressource qui est disponible. On a amélioré les choses et on a les fréquences de distribution. Elles ont augmenté, on était un jour sur 12, un jour sur 13, on est descendu jusqu'à un jour sur 6 et on s'améliore du jour en jour. Encore une fois aussi, il y a un grand transfert qui a été lancé, donc pour un montant de 10,5 milliards de dinars. Donc c'est le transfert à partir de Ajermaya sur un transfert de 125 km pour ramener 34 000 mètres cubes jour. Et aussi pour sécuriser définitivement la ville de Tierret. Donc, il y a une étude qui est en cours pour le raccorder à partir des stations d'essalement, la future station d'essalement de capacité 300 000 mètres cubes au niveau de Mostaganem. Très bien, Donc, on juste peut dire que Tierret sera sera sécurisé. sécurisé. Juste pour le transfert à partir de Adirmaya, il en est où aujourd'hui? Il est en cours des travaux De de réalisation? réalisation, oui. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé C'est-à-dire, on de... a Oui? mobilisé de gré à gré les entreprises publiques qui travaillent sur 5 phases. Donc, il y a une entreprise qui intervient sur les 19 forages, y compris le raccordement. Il y a une autre entreprise qui intervient sur les 3 stations de pompage. Il y a une autre entreprise qui intervient sur la réalisation du réservoir 2 x 5 000. Et il y a 2 entreprises qui interviennent sur la conduite qui fait 127 km. Très bien. Alors, je vous le disais, on a beaucoup parlé de Tiaret, longtemps parlé de Tiaret, et pourtant, ce n'est pas la seule wilaya concernée par ce stress hydrique. Il y a d'autres wilayas qui ont été touchées, notamment cet été. Hein. On peut citer Taref, Annaba ou encore Tizi Ouzou, qui ont à chaque fois nécessité des mesures supplémentaires. Il y a d'autres wilayas qui sont concernées. Alors, pour ces wilayas, quelles sont les mesures prises? Quel est le plan adopté pour régler ce problème d'alimentation en eau potable? Merci pour cette question. Donc, concernant les communes qui sont touchées par le stress hydrique, on peut noter 22 wilayas l'année dernière, mais avec l'intervention de tous les projets réalisés depuis, donc on est descendu à 13 wilayas. Et sur les 13 wilayas figurent aussi Tiaret et Béchar. On peut dire, on peut supprimer Tiaret et Béchar, donc il y a 11 wilayas. Sur les 11 wilayas, donc il y a un programme qui a été lancé. Donc il y a pratiquement 2024, donc on va réceptionner 171 forages pour un débit de 227 000 mètres cubes qui touche 23 wilayas.
On va réceptionner ici 65 forages et on va démarrer. Il y a eu démarrage aussi de 52 forages. Tout ça, c'est des travaux à court terme. Et à long terme, donc il y a des transferts qui vont se faire à partir des eaux de dessalement. La stratégie, on peut dire comment donc notre secteur a procédé pour sécuriser ces wilayas. Il y a des transferts existants. À titre d'exemple, Koudeta Serdoune qui alimente 4 wilayas. Mais le barrage lui-même, qui a une capacité de 600 millions de mètres cubes, il est actuellement à 30 millions peut-être plus. Donc, on peut dire qu'on n'est pas sécurisé pour les 4 wilayas. Donc, il va y avoir un transfert à partir de la station de dessalement de Cap Djennet, sur un transfert de 47 km avec trois stations de pompage. Donc, on va raccorder directement la station de traitement de Koudeta Serdoune. C'est-à-dire, si on a raccordé directement la station de traitement de Koudeta Serdoune, automatiquement, on touche les 4 wilayas. Donc, même s'il y a un problème au niveau du barrage Koudeta Serdoune, il y aura les eaux dessalées qui vont sécuriser cette région. Et on a fait la même chose pour les autres. Donc, par exemple, au niveau de la Bijaya, donc on va essayer de plutôt les travaux vont démarrer, le dessalement est en cours, mais il y a aussi le raccordement des transferts de Telestit. Donc, c'est au niveau de Bouira qui sera raccordé par la station de traitement de Bijaya. Donc, c'est pour sécuriser le barrage de Telestit. Il alimente aussi Bébéa, Msila et Bouira. Donc, il y aura des eaux dessalées à partir. On va essayer de raccorder aussi au transfert de Nzada, le barrage de Nzada. Donc, la même chose. Si on touche Nzada, donc on va toucher Bébéa et Sétif. Donc, voilà un petit peu la stratégie, c'est d'optimiser les transferts déjà réalisés par l'État, c'est pour au moins optimiser, valoriser ses investissements, par le transfert des eaux dessalées vers ces transferts existants. Voilà un petit peu la stratégie de notre secteur. Et d'un autre côté, redéploiement du volume, Oui. redéploiement des barrages vers l'irrigation. Très bien. Donc, ceci pour ces wilayas. Finalement, la solution aujourd'hui nous vient du dessalement. Elle nous vient également donc de ces transferts d'eau. Oui. Le dessalement, il y a de grands projets qui sont en cours. Il y a 5 grandes stations qui devraient être réceptionnées. Donc, c'est à partir de là qu'on va régler les problèmes d'alimentation d'eau potable pour le nord du pays. Très bien. Pour les stations de dessalement, on a 5 stations de dessalement qui sont en cours de réalisation par le ministère de l'Énergie, donc qui réalisent les stations. Et nous, l'ADE, en qualité de maître d'ouvrage délégué, donc on intervient dans la réalisation des transferts. On a la première station au niveau de Cap Junnat. Cap Junnat, donc elle intervient donc pour alimenter Alger et Boumerdès. Et en même temps, on va faire le transfert que j'ai expliqué tout à l'heure pour toucher les autres wilayas. On a la station de dessalement de Fouka, la Fouka 2, parce qu'il y a une station de dessalement existante déjà au niveau de Fouka. Donc pour Fouka 2, c'est pour sécuriser Alger et Blida. Donc les transferts aussi, les travaux sont en cours. Et d'une manière indirecte, ça va toucher Tipaza. On a la troisième station de dessalement à Cap Blanc, donc Oran, qui va toucher Oran, mais aussi va toucher Rilizan, Moussaganem, Sidi Belaabbès. Vous voulez Non, non, on va juste marquer une petite pause, puisqu'on arrive à la fin de la première partie, Monsieur Rekik. On va enchaîner, on va continuer de parler donc du dessalement et d'autres questions dans la deuxième partie de l'émission, Fatima. Avec plaisir. Monsieur Rekik, on a parlé du dessalement, des transferts d'eau. C'est aujourd'hui, donc on le disait, le SALU pour régler finalement le problème de l'alimentation en eau potable pour les wilayas du nord du pays. Plusieurs projets sont en cours. Vous en avez cité déjà quelques-uns. Alors, il y en a d'autres qui sont en cours de donc en cours de réalisation. réalisation, notamment pour les wilayas de l'ouest du pays. Très bien. Donc, je récapitule. Donc, il y a les 5 stations de dessalement qui sont en cours de réalisation, d'une capacité de 300 000 mètres cubes chacune, donc qui représente un volume de 1 500 000 mètres cubes jour. Et à l'achèvement de ces stations, donc la quote-part des eaux dessalées pour l'alimentation en potable, il va augmenter à 42%. Et cette augmentation permettra le redéploiement au profit de l'irrigation pour le versement total ou partiel des barrages et la mise en veille des forages au niveau des nappes surexploitées. À titre d'exemple, donc Fouka 2 et Cap Junnat, donc ils vont intervenir pour l'alimentation sécurisée, l'AEP, au niveau de la wilaya d'Alger, Boumerdès, Tipaza, Blida, Midia, Bouira, Msila, Tizi Ouzou.
En contrepartie, donc il va y avoir le déploiement des barrages au niveau d'Alger, donc Boroumi, Boukerdane, Hamiz et Douira, pour l'irrigation. Et on va mettre en veille au niveau des 250 forages. Pour la wilaya de Bidjaya, donc elle touche Bidjaya, Bouira et Sétif et Bébéa. Donc une fois cette station mise en exploitation, donc ça va nous permettre de redéployer le volume de Tichy, les barrages de Tichy Hafa à Bidjaya et Lekhel à Bouira pour l'irrigation et aussi mettre en veille 200 forages. Pour Cablan, Cablan c'est au niveau d'Oran, donc ça va toucher Oran, Mascara, Ghilzan, Mostaganem, Sidi Bel Abbès. Donc la même chose, donc il y aura d'autres barrages qui seront redéployés pour l'irrigation. Il s'agit du Mau Triplex, Shurfa 2, Tahat, Sidi Mohamed Bon Taïba, Ben Ouda plutôt, pardon, et aussi la mettre en veille sans forage. Pour Taref, donc on va alimenter 4 wilayas. Donc Taref, Annabas, Kigda également. Pour ce transfert, à noter que les gens doivent savoir que ce transfert représente 615 km de conduite pour arriver de Taref jusqu'à Guelma et Skikda. Donc c'est un projet qui est en train de réaliser par pratiquement plus d'une douzaine d'entreprises. Donc les travaux sont en cours. Et cette station, une fois terminée, la même chose, donc elle va permettre de redéployer le volume des barrages de Chafia, Boukhroufa et Bogos et Meksa vers l'irrigation et les transferts aussi vers les hauts plateaux. Ça, c'est les 5 stations qui sont en cours de réalisation. Pour les 6 stations à venir, qui sont réalisées aussi prochainement, donc il s'agit de Tlemcen qui va alimenter 3 wilayas. Donc on a Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda. Donc il y aura une autre station à Chlef qui alimentera 3 wilayas. Donc Chlef, Ain Defla et Média. Il y aura aussi celle de Djidjil qui va alimenter 3 wilayas. Donc Djidjil, Constantine, Mila. Il y aura celle de Mostaganem qui va alimenter 4 wilayas. Donc Mostaganem, Ghilzan, Tiaret et Tismsilt. Il y aura aussi celle de Skikda qui va alimenter 4 wilayas. Donc Skikda, Constantine, Mbouagui également. Et la dernière, celle de Tizi Ouzou, qui va alimenter la wilaya de Tizi Ouzou et Boumerdès. À l'achèvement de ces 6 stations de pompage, 6 stations de dessalement, donc on aura la quote-part des eaux dessalées qui va atteindre les 60% des volumes distribués à l'échelle nationale. Et ça va permettre de sécuriser donc pratiquement tout le nord du Ça pays va sécuriser en le matière nord d'AEP. et même on est en train de réaliser les transferts et l'interconnexion entre ces transferts des eaux dessalées avec les autres surfaces. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est pour optimiser les transferts déjà réalisés qui ont coûté énormément d'argent. Donc, on va raccorder ces 2 transferts pour permettre d'alimenter à l'intérieur du pays jusqu'à 150 km, 200 km, etc. Très bien, justement, vous parlez de l'intérieur du pays, donc des wilayas qui parfois enregistrent un stress hydrique, Oui. comme celle du Nord, et qui n'ont pas d'eau à dessaler finalement. Pour ces wilayas, c'est l'unique solution, c'est les transferts, que ce soit donc pour les wilayas des hauts plateaux, également les wilayas du Sud. Aujourd'hui, là aussi, il y a des transferts qui sont très importants Très bien. sur lesquels misent les pouvoirs publics pour sécuriser l'alimentation en eau potable. Pour le transfert du Sud, donc on peut noter transfert de Guitrani, d'ailleurs ce que notre ministre a visité la semaine passée. Il avait donné des instructions, disant que malgré l'arrivée des eaux de barrage de Djorf Torba, qu'il faut terminer le projet dans les délais. Donc l'instruction a été donnée de mettre en service le Guitrani le mois de novembre. Et c'est un transfert de 200 km de conduite et pour acheminer 80 000 mètres cubes jour. Donc pratiquement ces eaux de Guitrani 1, 80 000, Bouissir 30 000, barrage Djorf Torba. Djorf Torba, on peut atteindre jusqu'à 46 000. On est en train de réhabiliter les stations de pompage et les stations de traitement pour atteindre cette capacité. Donc on peut dire que la wilaya de Béchar est sécurisée et on a même pensé à sécuriser aussi le futur de usine de traitement le Gharj Bilet. Donc il va se faire oui, aussi lancer l'agriculture au niveau de Béchar. Très bien, donc ça c'est concernant le sud-ouest. Il Oui. y a également d'autres transferts qui sont à l'étude. Non, il y a d'autres transferts aussi qui sont en cours de réalisation. Donc on a Draadis au niveau de Sétif et l'Ulma. On a aussi Ouldjet Mellah qui va toucher un transfert Sougharas et Tbessa. On a aussi un autre transfert, c'est au sud, donc Tinza Ouatine, donc 200 km de conduite.
Et on a aussi le transfert. Enfin, il y a beaucoup de Beaucoup de transferts projets qui sont en qui cours. sont en cours Donc de l'objectif, réalisation. c'est une sécurité hydrique pour l'ensemble du Pour territoire l'ensemble du national. territoire national, oui. L'insélection, c'est avoir une répartition équitable et tout le monde mérite d'être alimenté d'une manière respectable et. Justement, vous parlez d'équité, c'est l'une des orientations donc, des pouvoirs publics Monsieur le aujourd'hui. Président, oui. Exactement, aujourd'hui, donc parfois ça pose problème dans certaines communes. Vous avez des populations qui vous disent il y a des localités qui sont mieux desservies que nous, il y a des localités qui effectivement ont de l'eau un jour sur deux, d'autres un jour sur quatre. Là, il y a cette question qui revient souvent. Pourquoi une commune est mieux desservie qu'une autre, Monsieur Rekik? Très bien. Généralement, si une commune elle est desservie mieux que l'autre, c'est un problème de ressources. Mais juste, j'aimerais expliquer une chose, que l'ADE, à l'échelle nationale, elle ne gère pas 390 communes qui sont gérées toujours par l'APC. Et au niveau de ces APC, on trouve des difficultés parce que ce n'est pas leur métier. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans ce sens. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Et on a demandé aussi, nous, l'ADE, à travers notre ministère, la tutelle, c'est pour prendre en charge ces communes et que c'est l'ADE qui va intervenir à l'échelle nationale. Et pour les fréquences de distribution, on peut dire car quotidiennement, on est à 41%, un jour sur deux, on est à 22%, un jour sur trois, on est à 16%, un jour sur trois et plus, donc on est à 21%. Et on travaille pour. Avoir cette étiquette au niveau de la distribution qu'on est équitable. Et pour ça, donc, on a lancé des campagnes de réparation de fuites. Donc, avec la mutualisation des moyens de toutes les unités, donc on intervient, gars, les unités elles interviennent au niveau d'une wilaya et on intervient au lieu de réparer ces fuites pendant 6 mois, une année. Donc, on peut intervenir avec tous les moyens au bout d'une semaine, 2 semaines. Aussi, on a lancé des campagnes de la même manière pour éradication des piquages illicites, qui posent beaucoup de problèmes. Donc, c'est des campagnes qu'on a. Là-dessus, on est équipé par des joueurs radar, une vingtaine. Donc, c'est des appareils qui peuvent détecter jusqu'à 8 mètres de profondeur tout type de matériaux. Donc, au niveau de la sectorisation des réseaux, la même chose. Donc, avec la mutualisation, donc, il y a un grand effort qui est en train de se faire pour avoir cette répartition équitable. Très bien, merci Monsieur Erkik. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci Monsieur Erkik d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin. Bonne écoute pour la suite des programmes d'Alger 3.